fais là? Mais j'ai 2 heures de fourche. Mais non, mais tu retournes à l'école. Mais papa, j'ai 2 heures de fourche, je vais mais pas aller. Mais sors, sors, retourne à l'école, t'as rien à faire ici. Mais, laisse-moi mais non, mais moi j'ai ma vie, mais non, tu sors. Tu te tais, tu me réponds pas, tu t'en vas maintenant. Mais bordel. C'est le boulot, c'est ton mari. Quoi? C'est Harley. Purée. Tais-toi, tais-toi. Ouais, allô? Allô, David. Bon, écoute. Écoute, je suis un petit peu emmerdé de t'embêter. Je suis au bureau, là. On a des collègues qui viennent de ramener Magali. Alors, t'inquiète pas, rien de grave. Il y a une commerçante qui est là, qui veut déposer plainte. Donc, bon, ici, moi, j'ai quand même réussi à m'arranger avec les collègues. Elle est en face de moi. Bon, Harley, essaye d'arranger les bidons. Dis-lui que j'irai l'indemniser si elle a subi un préjudice. Et puis, tu l'embarques. Tu la fous au cachot de 2 heures, ça lui fera une bonne leçon. D'accord, ok. Elle est vraiment grave, ta fille. Et lui? Bah, lui, ça va, quoi. Et tu crois qu'il va se douter? Pourquoi? Pour nous deux? Bah oui. Le jour où il s'intéressera à autre chose qu'à son travail, celui-là, je serai le premier à le savoir, quoi. Bon, attends un petit peu avant de rentrer. J'espère que ça va te servir de leçon, hein. Alors, va pas tout faire en entier, par contre, tu me donnes tout ce que t'as dans tes poches, ton GSM, surtout, voilà. Donnez-moi à moi, je vais garder ça, je te les rendrai tout à l'heure. Et que ça te serve, hein, que tu réfléchisses à ce que t'as fait, hein. C'est quoi, ça? C'est le portefeuille de la pouffe qui était dans le lit de mon père. Allez, rentre là-dedans. Et réfléchis! Attends un peu, parce qu'il faut qu'on règle une petite affaire, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe? Bah bien, je préfère que les collègues et tout, on va peut-être à notre aise. Bien, on va prendre l'air un petit peu, on va les discuter nous deux. Allez. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que Magali faisait toute seule en ville ce matin? Bah j'ai dormi, elle est à l'école toute seule, elle a dormi. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? T'étais toute seule? Attends, mais oui, j'étais... Dis-moi la vérité, David, on est collègues. T'es tout seul, c'est quoi cette histoire? Tu mens. C'est quoi ça? J'en sais rien. C'est le portefeuille de ma femme, David. Magali, elle a dit qu'elle avait volé chez toi. Non, elle ne savait pas. Tu me mens. Dis-moi la vérité. Il y a une urgence, Harley. C'est ça. Ouais, la 42, on la prend. On doit régler ça. Non, Harley, il faut y aller. On va régler ça, c'est pas terminé. On y va. On va régler ça.